Une convention cadre de partenariat a été signée à Rabat entre le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique en vue de promouvoir l'efficacité énergétique. Paraphé par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Hamzazi, et le directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, Saïd Mouline, la convention vise la mise en place de mesures d'économie d'énergie et d'actions de sensibilisation et de formation sur l'économie verte et l'efficacité énergétique au sein du ministère. C'est un projet qui touche plusieurs niveaux. D'abord, un niveau de sensibilisation et d'éducation à cette économie verte, à cette efficacité énergétique, en mettant en place un certain nombre de programmes au niveau scolaire. Deuxième niveau, c'est un niveau de formation de notre personnel pour la sensibilisation à l'importance de cette efficacité énergétique. Troisièmement, c'est un projet d'investissement pour pouvoir habiliter notre personnel à avoir des comportements. L'accord s'inscrit dans le cadre de la déclinaison de la stratégie nationale de l'efficacité énergétique ainsi que l'exécution du plan d'action transversal relatif à la mise en œuvre de l'exemplarité de l'État. La convention aujourd'hui s'intègre dans la stratégie nationale du développement durable et s'intègre surtout dans l'exemplarité de l'État. Le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui montre que, avec cette convention avec l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, nous allons accompagner pour les bâtiments du ministère, pour la flotte de transport du ministère, tout un programme de diagnostic, d'investissement pour réduire la consommation d'énergie et le monitoring par la suite. À travers cette convention cadre qui s'étalera sur 4 ans, l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique compte sensibiliser des milliers d'étudiants à l'entrepreneuriat vert afin de former un véritable écosystème favorable à l'émergence et au développement des projets durables.